très très attention, ça va casser, sinon j'ai déjà cassé pas mal de pièces. Donc cette fois il faut aller, voilà, pour l'instant je vois pas la différence. Je vais utiliser ça. En espérant ne pas casser. Voilà. À 10. C'est très petit les pièces. Et voilà. Pièce 10. Passe à travers. Comme ça. Il se dirige vers le haut. Ensuite, qui soulève encore plus. Qui est sur, du côté 38. Voilà. Trente-cinq, c'est des ronds. 34, c'est des sortes d'aimants. À 46 deux fois. Attention à ne pas casser. On va le faire tenir sur ça avec la gravure vers le haut. Ça va jusqu'au bout. On va monter jusqu'au bout. Je vais mettre le deuxième devant. Jusqu'au bout. Toi jusqu'au bout. C'est difficile à travailler, mais en plus c'est fragile. Donc, il faut faire glisser. Comme ça. Du coup, c'est bon,
sont rentrés dans le bon trou. Là, c'est bon. Lui, il n'est pas dans son trou. Ah, c'est bon. Là. Ils sont rentrés tous les deux. Ah, oh, j'ai cassé celui-là. Et là. Je pousse cette pièce aussi. Qui n'est pas rentrée. Ah, là, c'est rentré. Et la dernière pièce. C'est bon. Là, tout est rentré. Non, c'est neuf. C'est neuf. Dans le C23. Dans le trou aussi. Voilà. C'est là, c'est 17, c'est 16, c'est 19. C'est la plus petite, c'est 20 la plus petite. Voilà. Ce côté. Après, il y a la pièce ici, qui est la queue, donc. C'est pareil les deux côtés. Comme ça. On fait rentrer un petit bout. On utilise ça. Voilà. C'est ça pour aider. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai cassé. Ici en premier.
Je pousse jusqu'au bout d'abord. Je pousse ici. Après, ça permet d'avoir un milieu, il y a un trou aussi à faire rentrer. Par contre, c'est pas évident sans le casser. Voilà, c'est bon maintenant. En fait, il n'y a rien qui est fixé, c'est juste rentrer dans le trou, c'est tout. Il faut faire attention au trou midi, au centre. Donc, il faut rentrer ici là-bas. Après, faire attention au trou milieu et pousser les deux là avec l'hélice. Là, c'est bon, normalement, ça va casser à force. D'accord, il se colle sur la fente. Ici. On ne vise pas le centre, mais on vise l'oreille de Mickey Mouse. Pareil. Ça. B10 de l'autre côté. Dans les pièces paires, ça tient pas solidement. Ça bouge. Ça tient sur. Oh, il y a le trou, d'accord. Il y a un trou de devant. Je le fais dépasser un peu le bout que j'ai inséré. J'ai cassé le deuxième bout. B11. B13. B16. C'est sur le côté. B16. Par là. Ah non, c'est celui-là. Et B13 dans l'autre sens.
Et papa, je me suis pas trompé quand je parle, mais que toi, non, c'est bon. B14. Voilà. B14. Après, il faut traverser deux planches. Là, ça a l'air pas mal. Voilà, pousser petit à petit. Et on passe à la deuxième couche. Donc, ils sont déjà bien placés grâce aux premières planches. Voilà. Ça y va tout seul maintenant. Voilà, c'est bon. Voilà, on termine la base. Voilà. Maintenant, ça va être beau. Voilà. Ouais, il pleut assez fort. Là, ça tient mieux. On va essayer maintenant dans la partie grosse, c'est devant et derrière. Donc ça, c'est pour maintenir le navire. Avec deux fentes qui est fait pour bloquer, c'est très très bien fait pour la partie basse. Vous voyez, ça bloque bien. En plus, il faut pousser légèrement pour faire rentrer dans la fente et pour maintenir le navire. C'est très bon. Voilà, on entend le clic du blocage. Ici, j'ai pas encore entendu légèrement. Ah, c'est bon. Voilà, c'est fait. C'est fini.